à tous, Nifex8, on se retrouve sur Far Cry Primal pour continuer notre aventure. Non, Cuirassé, c'est parce que je voulais, mais c'est pas grave. Mais oui, t'es un bon petit toutou. Mais oui, on t'aime bien, t'es un petit chaton. Surtout monter sur lui, c'est plus important. Et du coup, aujourd'hui, on va partir se faire un peu cette zone. Donc, j'ai déjà terminé toute cette zone-là. Et peut-être, celle-ci, si on a le temps, et défoncer peut-être un camp Udam. Ça serait quand même cool. Dans tous les cas, nous, ce qui nous intéresse avant tout, c'est de foncer tout droit sur le bûcher de la sœur issue. Du coup, il nous sera ce bûcher, un autre là, et le troisième qui nous manque, peut-être par là. Parce que je crois qu'il nous en manque 3, si je ne fais pas de bêtises. Il me semble bien, mais en tout cas, vas-y, mets-moi le marqueur là, et on y va. Alors, je suis juste à côté, je crois que c'est en hauteur, j'ai l'impression, ouais, c'est juste au-dessus. Là, je peux monter, juste sortir par contre la chouette avant tout. Histoire de voir si je peux réussir à tuer quelques ennemis et repérer tout ça. C'est la première chose à faire, c'est que c'est tellement bon la chouette, elle est vachement efficace. Monte un petit peu, s'il te plaît. Petite chouette. D'accord, elle s'est pris le mur. Bon, mais écoute, tant pis. Tant pis, tant pis. Non, descend. On va y aller en mode bourrin. On va foncer dans le temps. On saura pas ce qu'il y a derrière. On verra bien. Si je peux réussir à faire une petite élimination, vu qu'ils s'attendent peut-être pas. Attends, par contre, il y a un lourd là. Il y a du lourd, ça va être compliqué. Ne pas être bourrin va être très très compliqué. Perso, je. La chouette qui s'est pris le mur, ça fait encore marrer. C'est n'importe quoi. Salut toi! Est-ce qu'il m'a vu? Encore vu. Les gens qui comprennent ce qui lui arrive, il sera mort. Enfin, j'espère. Mais voilà, c'est bon. Non, je confirme. Toi aussi. Le volontaire, toi tu vas mourir. Et toi pareil. Bah écoute, c'est facile. C'était facile. Il reste un là. Bon bah c'était express. C'est le cas de le dire. Oh là là, ils se sont fait mais éclater les pauvres. Ils ont rien compris. Bah j'ai récupéré le loot, j'ai plus qu'à enflammer tout ça. Et puis c'est bon, écoutez. Un nouveau feu de camp. Enfin feu de camp. Feu de bûcher surtout. Voilà. Bûcher, 14 sur 16 plus que 2. Ah, il y en a un chez qui dans le sud et l'autre, faut voir exactement où il est. Est-ce qu'il est peut-être dans le nord tout en haut, dans la zone derrière le gaz? Ça me paraît très étonnant, mais c'est possible, écoutez. On verra bien. Enfin, dans tous les cas, je file un petit peu de viande à mon animal, mon petit tigre, histoire qu'il soit full life, et on y va. Du coup, je me retrouve entre deux camps. Bah, vite d'affoncer les camps, écoute. L'avant-poste du Marénadaf, et puis après on a l'avant-poste de la Lame Kabaf. On va se faire ces deux trucs, et comme ça après on pourra vraiment directement descendre dans le sud. Là on a une nouvelle vallée qui se trouve là, et je pense que c'est là qu'il y a la grosse défense Udam. Le gros fort à mon avis, le big boss qu'on va défoncer. Ouah le saut. Wow. Oh non, je me suis tué. Tu m'étonnes. Le boulet, le saut de la mort. Donc le village est juste là en face, je vais pas trop avancer, on va rester ici. Déjà pour pouvoir sortir la chouette, faire les choses dans l'ordre. Sécuriser un petit peu la zone, alors comment ça se passe? Ah, je suis un peu loin par contre. Hein. J'aurais peut-être pu approcher un petit peu plus. J'ai peur que la chouette puisse pas aller très très loin, parce qu'il y a un moment où elle est trop loin justement, faut un peu comme un drone téléguidé. Et elle se paume. Est-ce qu'on peut repérer quelqu'un? Tu ne repères absolument personne. Je suis tout le temps en train de cramer ou quoi? C'est tout rouge ce truc. Pourquoi il y a plein de feu partout? Bonne question. Écoutez, je pense qu'on va foncer dans le tas. C'est ce qui fonctionne le mieux en principe. Ah, ils sont beaucoup. Ils sont clairement pas mal. Bon, c'est un avant-poste, tu me diras. C'est pas non plus. Tenter un peu trop loin là. T'es un petit peu trop loin. Celui qui. Ça, c'est quoi? Est-ce que je peux péter un truc? Genre ça. Voilà. Un gars qui donne l'alerte. Pas très discret à côté de l'autre. Apprends quoi? Est-ce qu'il va avoir peur puis il va sonner l'alerte à cause d'une chouette? C'est ça la vraie question en fait. Est-ce qu'il va sonner l'alerte? Je ne sais pas. En tous les cas, vas-y. On fonce dans le tas. On fonce dans le tas. Oula, petit rhino. Ne bouge pas, petit rhino. Je t'en veux pas. Je ne t'ai rien fait. Tu iras bien. Passage confectionné, tu mets le feu et tu vas dans le tas. Fonce tout droit. On va se marrer un coup. C'est juste de pas te noyer. Non, 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 noie-toi pas. Allez, je sais que tu peux le faire. Je sais que tu peux le faire. Wow, c'était juste. C'était juste. Donc, ouais, c'est vraiment en fait complètement. Il y a un bassin tout autour. Si je pouvais éviter de mourir, ça serait cool. Tiens, fous le feu à toute la maison. Sur qui on balance ça? D'accord, c'est moi que je l'ai raté. Je crois que je l'ai bien raté. J'ai l'impression. Est-ce que tu vas mourir, mon gars? Toi, tu dégages. Voilà, tu me rends ma petite... Non, non! Dégage, toi. Tu dégages. T'es sérieux? Comment t'as raté ça? Bon, cette fois, il est mort, en tout cas, cette fois, c'est sûr. T'en veux une? Regarde. Oh, c'est encore plus drôle comme ça. Vas-y, on fonce dans le tas. Aïe, t'es un peu en train de cramer, mec. Laisse-moi tuer tout le monde, juste pour le plaisir. Waouh! Ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal, mais j'ai défoncé, tu vas voir. T'en veux une? Tiens, t'en veux une autre? Waouh! Non, soigné. Putain, le feu, je vais mourir. Non, je refuse de mourir, soigné. Descends. Descends, je te prends la merde là. Je te prends la merde. Voilà. J'ai récupéré ma vie, c'est déjà ça. On éteint, mise à mort et on tape. On tape dans le tas. Go, go, go. On y va. C'est vraiment du bourrinage là. Bourrinage total absolu. Fous la paix. Attends, je te sauve, laisse-moi juste le temps de défoncer les gars qui sont autour. Tiens, prends un peu de viande. Prends un peu de viande. Y'a pas de temps, s'il te plaît. On est pressé.
Est-ce que certains ont full life? Normalement pas. Non, t'es mi-life. Soigné. Waouh, je prends cher. Je prends bien cher. Salut toi. Tant qu'on n'est pas vu, le gars il se planque. Il a peur de se battre. Il a peur de se battre, il a raison. Salut mon gars. Attends, est-ce que je prends. Tiens, on va faire ça à l'ancienne en fait. Ça va très très bien. Enfin, quoique, pas si bien que ça. Non, t'es sérieux? Non, là tu commences à m'énerver, mec. Tu commences à m'énerver quand même. C'est pas bref. Plus aucun respect, ces gens. Voilà, file-moi ma Sega. Ma Sega, je veux dire. Toi aussi, t'en veux une? Oh, ce que t'as pris. Tu m'as fait très très mal. Mais t'as pris tout aussi cher, donc c'est pas grave. Attends, je te balance ça dans la gueule. D'accord, ça sert à rien. On va essayer. Si je te balance comme ça. Mais t'es sérieux? Est-ce que si je te balance comme ça. Oh, c'est rigolo, fou. C'est mignon, fou. C'est mignon, tu vas la lancer dessus. Regarde. Boum. Oh, ça va faire mal. Ça va faire juste tellement mal. Tu vas pas la reprendre par contre. Récupère-la quand même. Tiens, fais-moi un peu de viande. Autant vous dire qu'ils sont quand même bien fait défoncer les types. Tiens, mange un coup. Je te file un petit peu plus de vie si possible. Voilà. Comme ça, on est bon pour la fin de l'attaque. Tiens, au passage, je peux péter ça. Ça sert à rien, mais c'est joli à faire. C'est tout, les gars. Attends, laisse-moi péter ça aussi. Ils sont tous les renforts, ça sert à rien. Allez, vas-y, tape. Tape, tape tout ce que tu peux. On se le fait, il va mourir. En plus il a du feu, le feu ça fait mal. C'est ouf, laisse-moi pas, c'est bon. Là qu'il me tape, essaye juste pas de mourir si possible. Si tu pouvais éviter ça serait cool. Il est où le monsieur? Enfin, bouge pas. Oh, raté. Bon, il a mangé dessus, putain. Il a fait le taf et il a fini, parfait. Enfin, il a libéré la zone. Un avant-poste de moi. Ça fera un peu plus de sûreté pour les nos camarades combattants. Avant-poste, 14 sur 15, oh. Donc c'est le dernier avant-poste tout à l'heure. Il y en a juste à côté. Il y en a juste à côté qu'on l'a terminé. Vite fait, bien fait. Je vais te récupérer un petit peu tout le loot, écoutez. Bon, voilà, j'ai récupéré pas mal de loot. Du coup, juste en face, on a l'autre avant-poste. C'est le dernier avant-poste, du coup. Là, on aura le bûcher. Et je pense qu'il y aura, ouais, là, ici, la forteresse. Bon, écoutez, on fonce sur le dernier avant-poste. Oh, il y a une belette. Je crois qu'il y a une belette. Si j'ai pas. Tiens. Est-ce que je t'ai déjà. Attends. Non, non, c'est pas ce que je voulais faire. Non, non, c'est. Je me suis trompé. Bouge pas. Bouge pas. Tiens, prends un peu de viande. Est-ce que tu veux la viande, petite belette? Je crois pas que je t'ai déjà apprivoisé. Genre, c'est pas une belette, mais bon, on se comprend, enfin. Non, plus toi, un truc du genre. Je crois pas qu'on l'ait déjà. Yes! Blaireau apprivoisé. On était pas loin, c'était un blaireau, enfin. Montre-moi ça, enfin. Au niveau des blaireaux. Ah, bah parfait, effectivement, on l'avait pas, enfin. Bon, t'es gentil, mais le blaireau, j'en ai pas besoin. Moi, ce que je veux, c'est mon. Bah, mon dent de sable. Le lion à dent de sable, non, un truc comme ça, qui est tellement efficace. Un petit point. Je t'en prie, tu peux y aller. Voilà, il est de retour, parfait. Comme j'aime. Ah, avant-poste, j'ai foncé dans le tas, bah écoutez, c'est le dernier avant-poste, on va le faire en mode yellow, parce que le mode yellow, c'est plus rigolo. Tiens, on pète ça, pas qu'ils mettent l'alarme, est-ce qu'il y a une autre alarme? C'est la vraie question, ok, ils ont sonné l'alarme, c'est pas grave. C'est pas très grave, laisse-moi juste péter la gueule. Voilà, c'est gentil. Oh, ce que tu viens de prendre, mon gars. Ce que tu viens de prendre, ça a piqueté les yeux. Lui, j'ai testé de battre tout seul, écoute. Chacun a son problème, moi, comme ça, j'y vais dans le tas. Les civils sont en train de fuir. Fuyez. Je pense que vous avez encore une chance. Et ils sont littéralement mais éclatés les types. Ils ont aucune chance de survie, quoi. Ils ont vraiment aucune chance de survie. Par contre, il y a un peu de plus dur, faudra faire gaffe. Tiens, à la limite d'ailleurs. Lance-moi ça. On se prend pas la tête. Waouh. T'as des abeilles, j'étais un peu. Un petit peu trop proche, on va dire. Un tout petit peu trop proche. Éteins le feu. Est-ce que tu peux te soigner un petit peu, s'il te plaît? Avant de mourir bêtement. Voilà. Bon, tiens, balance-moi ça. Et on se bat, écrase des abeilles. Ah, mais il y en a plein ici. Il y en a tout plein. Ils auront tous des abeilles en plus de ça. Et les abeilles, ça fait mal. Ça va, mon gars? Pas trop dur la vie? Je te tape tout ce que je peux. Mais t'es vachement résistant, quoi. Mais bien un jour, tu finiras par tomber. Fais gaffe, non, non, non! Soigne-toi, soigne-toi! Non, ne meurs pas! Wouh! C'était juste. Tiens, une petite abeille, au centre, là, ça peut le faire. Effectivement, je confirme, ça le fait. Ils ont bien pris tous les trucs. Tiens, enflammé. Qui c'est qui m'embête, là? Toi, tu dégages. Qui d'autre? Ils vont mourir dans la trop souffrance. Toi aussi. Oh là là, ce que vous prenez, les gars. On n'est pas content. À mon avis, il est pas content, le monsieur. Mais c'est pas grave, il a spawn des. Oh non, il a mis ses PC quand j'ai tiré. Oh, le double. Les deux sont morts direct. Magnifique. C'est juste magique. Par contre, si je peux les. Attends, viens. Ne bouge pas, mon gars. Ne bouge pas. Laisse-moi juste le temps de soigner mon petit animal. Mon animal de compagnie qui me n'a rien fait. Tiens. Oh oui, ça c'est le bon ouf. Il est ouf. Il est juste là. Ah non, c'est du feu, tiens. C'est pas vrai, ça. Ok, tout à mon côté. Oh, ce qu'il a pris, c'était magique. C'était juste magique, quoi. Y a pas d'autre terme. Pour décrire cette situation, il est où lui? Tiens, regarde ce que j'ai pour toi. Regarde ce que j'ai pour toi. D'accord, t'es un peu trop haut. T'es un peu trop haut, peut-être celui-ci. Non, laisse tomber. Arrête de faire de la merde. Et tu le détruis, s'il te plaît. Voilà. Oh là, ce qu'il a pris. C'est juste tellement bon, j'adore. La saga, ça fait tellement de dégâts. Il me reste encore un qui est juste là, en principe. Ils se sont fait, mais littéralement, mais éclatés en mille morceaux, les types. Bouge pas. Voilà.
C'était le dernier, écoutez, avant-poste en mode bourrin. Ça fait le taf, y'a pas à dire. Une victoire de plus. Et ma petite chouette, on coupe le terrain. Et la victoire pour tous les avant-postes et extensions, faut succès déverrouiller 50 points. Enfin, 50. Yes, capturer tous les avant-postes, c'est fait. Et action club terminée, extension 60 Ubisoft points. Ce qui est carrément cool, écoutez. Tiens, prends un peu de viande, récupère le loot et puis on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Voilà, j'ai pu refaire mon matos, j'ai à peu près tout looté. Du coup, montre-moi la carte exactement. Confection. Ah, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire une nouvelle chose ici. Vêtements d'hiver. Oh, bah écoute, parfait. Je prends. Enfin, vêtements d'hiver niveau 2, vous ne craignez plus le froid. Ça peut être pratique. Ça peut être utile. Les niveaux compétents, j'ai nouveau 3 points. Est-ce qu'il y a un truc en particulier que j'aurais voulu faire? Là, ça a été intéressant cette branche. Il y a des trucs quand même plutôt cool. C'est pas vraiment utile par rapport à ce que j'ai, c'est un peu tard. Mais je vais quand même prendre. Allez, soyons fous. 2 points, je les ai pas. Parce qu'il y a quand même des trucs sympathiques, donc on verra ça plus tard. Et par contre, niveau carte, du coup, cette zone est libérée. Il n'y a plus qu'à descendre vers le sud, écoutez. Feu de camp. Idéalement, se faire le bûcher juste ici serait top. Là, on descend vers le sud tout droit. On passe par la presse. Il y a encore du rouge. Je pense que le rouge, c'est à cause de ça, a priori. Il y aura un camp par là, parce qu'ici, il n'y a absolument rien d'autre. Il n'y a pas de raison. Ouais, donc, faut y aller. Je suis dans un fort du hurleur de feu. D'accord, je suis arrivé sans faire exprès ici. Mais s'ils ont envie, écoutez, on peut se faire le combat. Pas de soucis, ça a pas l'air d'être dangereux, mais ça l'est un petit peu en fait. Quand même carrément, ce que je suis en train de faire défoncer. Et pas qu'un petit peu sur les sujets, j'aurais balancé la chouette, mais je pensais pas qu'il y avait autant de monde en fait, parce que c'est pas marqué comme un camp ennemi vraiment. Enfin, attends, viens par là toi. Viens par là. Allez, bouffé. Soucis. On se t'enveuf. Pas de problème. Élimination montée. Ouais, non, je prends cher, je vais mourir. Soignez. Oh ah oui, c'était vraiment un bon gros camp. Effectivement, j'étais un peu trop en mode barbare. Ok, alors je suis revenu vers le camp, c'est juste ici. On va essayer de se le faire, parce que étonnamment, en fait, c'est pas indiqué comme camp. Vous voyez, sur la carte, y a rien. Y a pas d'indication du camp, enfin. Donc on sait maintenant que c'est un vrai camp. Ce qu'on va faire, c'est envoyer la chouette, qui va faire le taf. Qui va au moins repérer un maximum tout ça. En plus, je suis relativement proche. Faut juste que je réussisse à choper tout le monde. D'accord, t'as pas envie de spotter du monde? Je doute qu'il n'y ait personne. Allez, vas-y, spot. Sois une bonne chouette. Pour le moment, c'est pas la folie. Bon, c'est pas trop la folie, je ne vois absolument personne. J'entends des bruits, c'est Space. Ok, en dessous de moi, ça a spoté un petit peu. Voilà qui est là. Ça, c'est rien du tout. Qu'est-ce que je pourrais détruire en premier? Attends, c'est moi, je vois que dalle. J'ai l'impression de voir absolument que dalle. Attention, la chute est trop loin. Est-ce que tu pourrais réussir à m'attaquer ça? Non. Bon, bah, écoute, reviens en arrière. Ça, tu pourras pas attaquer. Ah bah ça, si tu pouvais l'attaquer, ce serait parfait. T'as pas envie? Ah, y a pas d'animal dedans. Y a pas d'animal, malheureusement. Ah, du coup, j'ai pas grand-chose. Rien faire, à mon avis, elle pourra rien faire de plus. Bon, moi j'ai pu spotter 2-3 trucs par-ci par-là. Tiens, limite lui, s'il y a moyen, je pense qu'il est trop loin. Mais pourtant, il y a personne quand tu regardes comme ça. Il y a vraiment pas grand monde. Bon, tiens, allez, lui c'est un peu distrait. Va dire que personne va le voir. Tu tombes d'or. Voilà, t'es mort, mon gars. C'est vrai que ça va être compliqué. Se faire une attaque discretos. Est-ce qu'on pourrait essayer à passer? On peut faire une tentative. On tente une attaque discrète. Est-ce que je peux me lancer? Je pense que oui. Vas-y. Ouais, ça passe. On a fait me repérer, mais c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est monter doucement par ici. Essayer de voir ce qu'on peut faire. Si on va être un tant soit peu discret. Les éliminations, les trucs comme ça. Ok, il y en a juste là. On reste discret. On se met à couvert, les amis. Ça va le faire. Donc on a dit qu'il y en avait là. Le problème, c'est que je sais pas si j'ai spoté tout le monde. C'est ça mon plus gros souci. C'est le plus gros souci, parce que d'un seul coup, je peux tomber sur quelqu'un. Mais non! Il a vu le tigre. Super niveau discrétion. Super niveau discrétion, mise à mort. C'est pas tout à fait, ouais, forcément ils paniquent tous. Hein. Ils sont tous en train de flipper en espérant qu'ils tirent pas, donnent pas l'alerte. Là c'est mon. Forcément mon tigre a pas été d'une discrétion. De toute façon je vais me faire choper là. Clairement je vais me faire choper. Là on en a un qui peut lancer des. On se prépare. Et sa tête qui arrive. Que dalle. Tais-toi. Tais-toi femme. Les trucs horribles. Donc là il y en a un type qui est discretos. Qui va pas me voir. On va faire une. Oh merde, lui il t'a pas marqué. Mais c'est pas grave. Parce qu'il est mort. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça? Je vais me faire gaffe, parce que c'est vrai que j'ai pas tout marqué avec la chouette. Lui, je peux sortir la chouette de nouveau. Vu que là, je suis relativement discret, là, ça bouge pas. On va tenter. Sors-moi la chouette, voir ce qu'on peut faire. Donc ça, c'est le village, en fait, simplement des villageois. Il y a rien de spécial. Il y en a un qui reste ici. Et là, c'est vraiment le village renforcé à l'intérieur. Et c'est ça qui est le plus dangereux. Bon, moi, j'ai pu m'éliminer tout l'extérieur sans me faire repérer. Et là, il n'y a pas spécialement de monde. Il n'y a pas énormément de monde. Genre, lui, je pourrais presque me le faire. Ah non, je peux pas, c'est. C'est un chef. Il est résistant, donc ça non. Est-ce qu'il y a un autre que je pourrais faire avec la chouette? Au pire, je fais celle qui était de l'autre côté. Parce qu'elle m'embête plus qu'autre chose. Ouais, ici, il n'y a personne d'autre, j'ai l'impression. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde de plus. On a réussi à avoir
Ah, du coup, ce serait plutôt là. On a un éclaireur. Et personne sur les tours, non. Je pense qu'il y a du monde. Et puis là, un village, a priori, ça serait bon. Il n'y a plus qu'elle. Bon, bah écoute. Désolé, passe une bonne journée. Ou pas. Surtout. Ah, mais attends, j'ai les bombes. J'ai oublié que j'avais les bombes. J'aurais pu les bombarder directement. Ça aurait été plus drôle. Ça aurait été drôle, effectivement. J'y ai pas pensé. Est-ce que attends, il y en a qui est en train de se promener juste là. Lui, je pourrais pas l'attaquer. Et au niveau de l'entrée, on n'a personne d'autre. Est-ce que j'attends? Combien de temps il faut attendre? 25 secondes. Ça pourrait valoir la peine pour balancer à la limite des abeilles, un truc comme ça. Ça pourrait être vachement efficace. Attends, je vais pas rester là. Pas bouger. Pas bouger, non mais ça va pas être discret. J'ai aucune chance là. Si je veux être un tant soit peu discret. Là, il n'y a pas un animal. Non, il n'y a que dalle. Les types. Il y en a... Ah, ils sont pas loin. Non, le problème c'est que je peux pas les tuer. Je pourrais pas les one shot. Lui là-bas est trop loin. Donc non, à mon avis, le mieux ça va être de repartir là. Pousse-toi. Pousse-toi, j'ai dit. Reste ici. Tu te mets tranquillement là, tu reprends la petite chouette, et on va bombarder tout ça. Là, en appuyant sur A, j'ai une petite bombe. Oh, vas-y, ils sont les deux à côté. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, c'était... Oh zut, c'est comme ça que ça marche. D'accord, j'ai compris. J'ai compris. Essaye de refaire les trucs bien. Vas-y. Ça passe ou pas? Oh, on va dire que ça passe. Tiens, RT. Oh, ça fait mal, ça, à mon avis. Donc on a compris, en fait, c'est pas où tu vises, ça tombe vraiment en dessous d'elle. Ce qui est plutôt logique en même temps, tu me diras. Ce qui est plutôt logique. Est-ce que je vais les refaire? Ouais. Faut que je les recrée du coup. Tiens, en fais-moi tout ça. Voilà, parfait. Fin. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Où est-ce qu'ils sont les autres? Parce que je suis quand même vachement discret là. Ils sont en train de se battre. Ils font quoi? Ils se battront entre eux? Ah oui, parce qu'il a pété un plomb. Il attaque l'autre. Trop bien. Génial. Il attaque l'autre. C'est juste, c'est la bombe berserk. Je crois que c'est ça. Ah, c'est vachement efficace. Bah écoutez, je pense que vu qu'on est parti pour faire du total silencieux. Qu'est-ce qu'on fait? Ils sont où l'autre? Ah ouais, lutte, il est là-bas. Il est là-bas. Tu dégages? Non. Super. Tu peux mourir, mec? Ah super, je suis repéré. Bon bah tant pis. On aurait été presque discret jusqu'à la fin. Il y a juste ce petit emmerdeur. C'est ça, j'arrive pas à me l'avoir. Il est trop en l'air en fait. Mise plus haut. Mise plus haut. Ah, j'arrive pas à me le faire. Impossible, en plus je suis presque mort. Ne meurs pas, s'il te plaît. Gérant, t'es sérieux, les gars? Qu'est-ce que je t'ai mis dans la gueule? Oh vas-y, sors-moi du lourd. Sors-moi du lourd. Parce que là, ça devient n'importe quoi. Non plus. Plus haut peut-être. Non, toujours pas. Vous commencez à me saouler, les gars. Vous commencez à me saouler, comment vous dire. Est-ce que tu veux bien mourir? Allez, vas-y, prends tes flèches, quoi. Mets tes flèches, LT. Allez, t'en as pris une. T'en as pris... Non, t'en as pas pris deux. C'est bon, non. Il veut pas mourir. En plus, ils sont super résistants, ces cons. J'arrive pas à les avoir. J'arrive pas à les avoir. Mais meurs. Mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Qu'est-ce que je dormais? Les types, ils en ont, mais rien à foutre. C'est genre, attends, sur la chouette. Je vais vous bombarder la gueule, tu vas voir. J'espère que j'ai le temps, pas que les autres me repèrent. Ils sont ouf. Vas-y, remonte. Remonte un petit peu. Là, tu me balances une bonne petite abeille juste au centre. Regarde, juste là. Boum. Amusez-vous. Voilà, plus de soucis. Les deux vont mourir. Est-ce qu'il y en a un autre que je pourrais attaquer par contre? De ce côté-là, il y a du truc. Ouais, juste là. Attaque celui-ci, vite, vite, vite. Attaque celui-ci, plus vite, plus vite. Tu veux pas? Comment ça se fait? Attaque-le, là, tu peux. Bon, bah écoute, bombardement à l'ancienne, ça fera le taf. Ça fera le taf. Ouais, par contre, il va m'attaquer là. Il va m'attaquer. Si tu peux te dépêcher. Est-ce que la bombe berserk peut faire quelque chose? Je ne sais pas. On va tenter. On tente, on verra bien. On verra bien. Ça lui fait mal en tout cas. Ça, c'est sûr. Ça, c'est plutôt sûr. Allez, vas-y. Prends ça, mon gars. Non. Ah, j'ai foiré. J'ai foiré. Waouh. Hey, tu te calmes, toi. Tu vas te calmer tout de suite, mon gars. Tu vas te calmer tout de suite. Laisse-moi faire le tour. Lui filer à manger. Ça pourrait être bien utile. Bah, c'est un petit peu contaminé la zone là. C'est un petit peu beaucoup. Waouh! Ah, mais tu me poursuis! En mode psychopathe! Bah voilà! Et ils sont pas morts, oh, t'es sérieux? Mais c'est pas possible! Mais comment tu peux être aussi résistant? Les abeilles, ça vous a pas suffi, c'est bon, lui, il faut la paix. Est-ce que toi, je vais réussir à te finir? Je sais pas s'il faut le viser un peu plus haut ou pas. Ah voilà, enfin! Oh, c'était chaud! Par contre, le village, est-ce qu'il est contre qui? Il n'y a plus d'indication, il n'y a rien. Parce qu'en même temps, c'est pas vraiment un vrai village. Parce qu'il n'y a pas d'indication sur la carte. Apparemment ils sont tous morts, écoutez, on a fait le taf, il y a rien de spécial à y faire. Bon du coup, petit camp liquidé, apparemment je vais passer par là pour réussir à trouver l'entrée de la zone. Bah, je vais escalader ça, je pense pas, tu dois passer dans le village pour pouvoir réussir à continuer. À continuer ta route par ici. Ouais c'est bien ça, là apparemment, quoique, est-ce que c'est bien ça? Genre en escaladant, ouais, a priori je pensais ça, allez go fond. Je vois qu'il y a un chemin qui passe par là, peut-être qu'on est obligé de combattre, mais c'est pas grave, au moment on a défoncé le village. Ça fait pas de mal, j'aime bien la violence. Là, c'est la violence gratuite, c'est lequel le dire. Oh, c'est quoi ça? On n'a jamais vu ce truc. On n'a jamais vu, mais j'aime bien. Mais j'aime bien, attends, c'est mon pote, c'est bon, pas de soucis.
Est-ce qu'on tente de se faire le singe? C'est quoi ces petits trucs? C'est mignon, fond. C'est mignon tout plein, ça fait des plumes, rien de plus. Mais c'est toujours ça. Après des plumes, c'est une sorte de... Waouh! Cool mammouth! T'as pas l'air content, fond. T'as pas l'air spécialement content, écoute. Du coup, ce qu'on va faire, c'est te mettre un petit headshot en feu. Parce que headshot en feu, ça marche toujours bien, super, je mets à côté. Je mets à côté. Ah, c'est tout? Bah écoute, c'était plutôt rapide. Quand tu mets dans la tête, ça fait mal. Ça fait plutôt mal. Détruisez les portes à taux de mammouth. Ah non, fallait pas péter le mammouth. Ah le pauvre, fallait pas le tuer le mammouth. Qu'il voulait. Non, j'ai tué le mammouth, comment je vais faire? Est-ce que je peux péter les portes autrement? J'en tape dessus. Mettre le feu peut-être. Oh, j'ai un petit peu fail là. Fait que je monte sur le mammouth. Ce qui était très différent. Est-ce que si je crame tout ça, ça peut faire? J'espère, parce que je suis comme dans la merde là. Oh non! Je crois que je peux pas. Je crois que je peux pas, il me faut forcément un mammouth. Ah, quel boulet! Quel boulet! Bon, bah écoutez, j'ai plus qu'à réussir à trouver un mammouth. Oh, petit mammouth, pourquoi t'es mort? Fallait pas mourir aussi vite. Tu m'aurais dit, tu sais que tu peux me servir, je t'aurais pas tué, tu sais. J'aurais été gentil avec toi. Allez, tout qui est cramé sauf la porte, super. Vas-y, fonce dessus. Ah, mais non, c'est bon, pas besoin d'un mammouth. On peut faire ça en mode barbare. Éteins le feu, on est en train de mourir comme pas possible. Coucou tout le monde! Il y a du monde là, rentre chez eux. Ah oui, on rentre vraiment chez eux, du coup, ça rend ça le fort. Oh, écoutez, on rentre chez eux directement là. Ça m'intéresse ça. On peut récupérer des trucs ici. Qu'est-ce qu'on a? De la viande, coup de prenzance, c'est toujours ça. On ne sait jamais. D'accord, t'as pas envie, c'est pas grave. Est-ce que je suis armé? Non, je pourrais pas en faire plus malheureusement. C'est pas grave. On y va, on verra bien ce qui se passe. Enflamme-moi tout ça, et on y va. Fous le feu à tout ça. Fous le feu à tout ça, ça va les calmer un coup. Fond. Ça va les calmer un coup. Non, toi, tu te calmes déjà. Oh, ça fait mal. Ça fait mal. Oh, les masses qu'ils prennent. Les types, ils comprennent pas ce qui se passe. Comprennent pas ce qui se passe. Personne n'aura rien demandé. Donc ça, je pense, c'est vraiment l'entrée de la forteresse Udam. Voilà, désolé, je vais prendre la porte. Salut, mon gars. J'ai sorti de prison, j'étais jusqu'à la côté. Fais-lui un peu de bouffe. Vraiment, on enlève. C'est du coup, on avait fait quoi? Enfin, montre-moi au niveau de la carte. Effectivement, on a réussi à rentrer. Ce qui aurait été cool, c'est juste de monter là-bas pour finir. Ça aurait été plutôt sympathique. Oui, c'est bon, t'es libéré, mon pote, t'inquiète pas. Encore à bouffer, mais tu passes ton temps à bouffer, Lyon, c'est possible. Du coup, voilà, je pense que j'ai pas envie d'aller chercher les corps, on s'en fout. Parlez au prisonnier Wenja. Ah, j'ai parlé. Est-ce qu'il y a une mission à faire? Non, a priori, c'est bon. Ça. Ah, il y a différentes. Attends, libérez Wenja pour attaquer le temple Batari. Ok, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Écoute, on y va, fin. Allez, on fonce dans le tas. 800 mètres, c'est super loin. Lieu découvert. Allez, par ici. A priori, je dois réussir à avoir les trois, parler aux trois. Apparemment, c'est. Ça va, mon gars? Ok, t'es gentil? Ah, mais t'es gentil, non, t'as de la chance. Je ne te tue pas aujourd'hui, la prochaine fois peut-être. Dans tous les cas, on fonce tout droit et puis on va voir là-bas. Alors, vieille de Darsha, petit qu'on m'a même pas vu. J'ai relativement passé. Les pauvres, vas-y, bouffez, bouffez. Ah, voilà, c'est comme ça que j'aime. C'est comme ça que j'aime un autre. T'inquiète pas, mon gars, bouge pas. Et vas-y! Bon, bah voilà, c'est fait. Du coup, on est juste à 150 mètres du fameux. On terminera là-dessus. On verra ce que ça donne. Comme ça, prochain épisode, je pense qu'on pourra bien terminer attaquer la forteresse, certainement. Ça serait plutôt stylé, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Attends, ça, on va l'enflammer direct. En mode rien à foutre, je me défonce la tête. Tellement j'ai pas de respect pour vos gueules. Et alors, tu vois, j'ai vite. Oh, ce qui vient de prendre, le pauvre. Ce qui vient de prendre, c'était assez violent. Mets-moi le feu. Coucou tout le monde. Qui en veut? J'en ai des bonnes grosses à vous mettre en pleine face. Sauf qu'ils sont vraiment résistants ceux-ci. Mais genre résistant, résistant. Là, le nombre d'headshots que je leur mets en pleine gueule. Et les types, ça lui fait mais absolument rien. C'est genre une petite piqûre de rappel. Il le sent même pas. Bon, je sais pas, balance que ça. Ah, toujours pas? Toujours pas? Ah, mais t'es vraiment résistant, toi. Dans le genre. Des renforts étaient appelés, c'est pas grave. C'est pas grave. Au moins, il est mort. C'est l'important. Sagaf. Je peux pas faire d'autres sagaf, malheureusement, je sais pas ce qu'il faut. Attends, ils sont où? Ah, ils sont dedans. Ils sont dedans. Coucou. Attends, c'est un gros là? Non, c'est pas un gros. C'est pas grave. Oh, ce qu'il a pris. J'adore. C'est tellement bon de faire ça. C'est juste magique. Qui sont là ici? Est-ce qu'il y a des trucs intéressants à prendre peut-être? Je fais un peu le tour, absolument rien. Bon, ils ont appris les renforts, ça c'est pas cool. Ils arrivent de ouf. Préparez-nous au combat. Alors, prends... déjà tu prends un peu de viande. Ça sera un bon début. Dans le temps qu'ils viennent. Ça c'est l'avant-dernier. Il me semble que c'est bien l'avant-dernier, je sais pas de bêtises. Ça va être 15 sur 16. Par contre, la question c'est. Ils comptent venir? Comptent-ils venir? Je vois du rouge là. Salut! D'accord. C'est tout? Tout ce qui manquait? Bon, bah il a pris cher. Il s'est bien fait éclater comme il fallait. Victoire! Vas-y, ma petite chouette. Montre qui c'est le plus fort, qui c'est le plus beau.
bûcher de la colline de Saras. 15 sur 16, plus qu'un seul et on sera bon. Population Wenja augmentée. Bah parfait. C'est du bourrinage, bien comme il faut à l'ancienne. On l'aurait exposé à... Ah bah parfait, allez. Bah comment ça se fait? Comment se fait-il pour réussir à entrer dans la forteresse? Je pense qu'elle est peut-être planquée quelque part. Ah, peut-être qu'il faut justement ce qu'ils me disent que je vais faire ces trois trucs. Objectif en cours, il faudra que je fasse tout ça, comme ça je pourrai réussir à avoir attaquer justement la forteresse. Et a priori, donc je pense que dans le prochain épisode, on pourra faire ça, les amis, bien comme il faut. Quoi, il y a encore du monde ici? Allez, les gars, vous arrivez un peu tard. Vous arrivez un petit peu tard là, bouge pas. Juste pour le plaisir de te défoncer la tête, on le termine. Voilà. J'ai un peu mourir par contre, j'ai un petit peu mourir, donc tu peux te dépêcher, mais genre vite, parce qu'on prend cher. Prend très très cher. Ah, j'ai plus d'herbe verte, je pense. J'arrive pas à me soigner avec les potions. Ce qui peut être un petit peu. Enfin, forcément, j'arrive pas de brûler. Du coup, je peux plus me soigner correctement. Ce qui est un petit peu gênant, parce que ça me fait remonter très lentement la vie. Pas assez rapidement, du coup. Enfin, pas du tout assez rapidement. Et je risque de mourir comme une merde. Ce qui n'est forcément pas ce qu'on souhaite. Tiens, bouge pas, bouge pas. Salut mon gars, je te troll. Ah non, ça marche pas le trollage. Ça marche pas, faut brûler. Faut brûler dans le tas. Ah, c'est bon, je tape dans rien. Je tape dans rien, pas de soucis. Ah, petit succès, pas bouger. Qu'est-ce que c'est? Éliminer 100 ennemis avec un gourdin. Bon bah écoute, on a fait le taf. On a fait le taf qu'il fallait, c'est tout. On a libéré la zone, prochain épisode on partira là-bas. Je fais encore un petit peu de viande, histoire qu'il soit content. Et on est ouf. Bah du coup les amis, on va se laisser, je pense que vous aurez pu penser, c'est des petits pouces bleus. Et on se retrouve tout bientôt, waouh, tout bientôt pour défoncer un cerf. Ou je sais pas ce que c'est, vous aurez compris. Tiens, t'en veux? Merde, j'ai une grosse. J'en ai une grosse qui va te faire mal. Ne bouge pas, attends, laisse-moi. Ah, il est en train de tout défoncer le truc. Tu veux bien rester là? Oh, comme j'ai foiré, t'es pas sérieux? Non, ça va faire mal. Ça va faire mal, si je peux essayer de pas mourir maintenant, ça m'arrangerait. Oui, mise à mort. Ça, c'est fait. J'ai un peu de peau de bête, j'en ai besoin. Donc, j'ai donc, on va se laisser là, pensez à ces petits pouces bleus, puis on se retrouve tout bientôt pour la suite de l'aventure. Ciao, ciao!